Comment tu as fait pour creuser en toute légalité un abîme entre toi et moi? Comment est-ce que je ressens les choses? Eh bien, comme un acte de haute trahison. Tu me diras qu'un traître est un être comme un autre. Non, non, non. Un traître est un acte, un mouvement, un geste qui dissout l'être. Et nous, nous en sommes là à se dissoudre. Pas d'autre solution. Pas d'absolution ni pour les uns ni pour les autres. Et si nous en sommes toujours là, eh bien, c'est pour en découdre. Après toute une vie d'amour partagé, de bonheur envisagé, enfin, c'est ce que je croyais. Alors je découvre aujourd'hui, non seulement que tu ne m'aimes plus, ce qui laisserait notre passé intact et notre avenir ouvert, mais que tu ne m'as jamais aimé. Et que tu ne m'aimeras probablement jamais. Alors ça, c'est la plus absurde des absurdités. Ne pas être ou ne plus être la fille de son père. Parce qu'il a été décidé, alors je ne sais quand, ni comment, ni par quoi, qu'il n'y aura plus de père, ni de repère, plus de mère patrie. Non, tout a explosé. Parce que le temps n'a pas daigné suspendre son vol. Mais tes enfants sont à la rue. Plus de fratrie ni de bergerie fraternelle que des individus mordus par cette chienne de vie. Mais France, France, tu ne nous as jamais aimés. Depuis la Révolution, on se posait déjà la question, savoir si ta République n'était pas au fond un long cheminement vers une rupture cynique avec tes propres enfants. Comme le temps, tu ne fais plus rien d'autre que dévorer tous ceux qui t'ont jadis adoré. Et tu oses encore nous renvoyer, toi, la plus singulière des nations, à l'universel, à l'universalité? Parce que tu ne veux plus avoir avec nous quelque chose de particulier? Ah si, une pièce d'identité? Je suis ton enfant, cet enfant dont tu ne cesses de briser le rêve, parce qu'il refuse obstinément de crever. C'est aujourd'hui et seulement aujourd'hui que je viens de réaliser qu'en fait, on n'a pas le même but. Je lutte, moi, je lutte. Et toi, tu ne luttes pas. Toi, tu collabores.